Alors, bonjour à toutes et tous, hein, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai un peu les chocottes pour ce matin parce que j'ai le nez qui est pris et ça me bouffe. Je me demande si j'ai pas un début de sinusite, j'espère pas. C'est bizarre, ça me travaille, mais bon. L'essentiel, c'est que vous vous alliez bien. Je sens que le son est en train de gueuler au niveau de la console et je suis en panique. Ah, je me sens mieux. Oh là là. Alors, comment faire l'intro de ce jeu? J'ai passé l'intro parce que c'est du texte, du texte, du texte. Alors, j'ai la chance d'avoir le manuel en français. Voilà, coucou. J'ai la chance d'avoir le manuel en français. Le jeu a les textes en anglais et les voix sont en japonais. C'est un jeu international. Oui, j'ai fait comme elle ce matin. Donc en gros, les demoiselles, elles incarnent les consoles de jeux vidéo. Elles, je me demande si c'est pas la, j'allais dire la Super Nintendo. Enfin, j'en ai aucune idée à vrai dire. Je serais ravi que vous puissiez dans le public me le dire. C'est ce que je suis largué. Et c'est censé retracer l'anthologie de l'histoire du jeu vidéo et des consoles. Donc voilà. J'en sais pas trop, hein. C'est vraiment un jeu très étrange. Bonjour Olive, j'espère que tu vas bien. Je me suis lancé dans l'énigmatique Neptunia Hyper Dimension, qui a sa réputation en fait. Non, c'est bizarre. Oula, les contrôles en plus sont inversés. Va falloir que je m'y fasse. Sauf si je peux dans les menus faire le nécessaire. Ah, ça doit être ça, je crois. Oui. J'ai déjà quelque chose de beaucoup plus naturel. Tu connais pas ce jeu, ok. Bah, c'est un peu une énigme pour moi aussi. J'y avais un peu joué il y a longtemps. Et ça se compte en années, hein, quand j'y ai longtemps. Et bah, c'est une petite occasion que j'avais eu sur PlayStation 2. D'ailleurs, je suis en train de me dire si je serais peut-être pas mieux de mettre en... dans mon nouveau plan 16/9 en fait. Attendez voir, j'ai passé 2 heures à préparer un plan hier. C'est pas mieux comme ça? Je m'en rends pas compte. Je sais pas si tu... En plus j'ai mis la jaquette. Par contre on voit plus le chat. Alors moi je vous vois, vous, mais... Ah oui, tu pars bosser pour 11 heures. Ouais bah oui, tu te réveilles peinard pépouze. Eh oui, bon courage à toi Olive. Eh oui, on est samedi. C'est pas un jour de repos pour toi. Ah, alors quand je mets le 16/9, par contre, je vois plus une partie des instructions en bas de l'écran. Ouh là là, mon truc est pas encore au point. J'ai l'impression que mon signal vidéo est tronqué. Du coup, je vais peut-être revenir sur le premier plan. Bon, c'est bizarre.
Oui, je trouve que l'écran est plus complet comme ça. Non, j'ai dû mettre 4 tiers. Et c'est un jeu un peu à la RPG action. Un peu à la Final Fantasy en fait, pour ceux qui connaissent. Oula. Oula, j'ai bloqué la caméra, je vois. Pardon, hein, je titube parce que je suis en train de faire des derniers réglages. Je crois que je serais plus heureux comme ça. Enfin, plus heureux, plus à mon aise. Ok. Oui, t'es habitué à la scène-là. Non, mais je trouve qu'en plus, j'ai une meilleure exploitation de l'écran. Ah, un coffre à explorer. Oula. Alors, le souci de d'émettre en dégradé depuis la PS3. Voilà, elles sont bavardes. en dégradé depuis la PS3, donc en 576p, quoi qu'il l'ancien standard des téléviseurs analogiques, c'est que pour lire, je me fusille les yeux. Vous aussi, vous le voyez, vous avez la prise de caractère qui est un peu éclatée. D'accord, personnaliser le. Ok, c'est le tutoriel, il m'explique. Attends. Mais non, que je suis bête. D'accord, c'est l'inventaire. Non, pardon, je retire la coiffe parce que finalement ça me sert à rien dans l'immédiat. Donc on est censé vivre l'histoire des consoles et leur évolution en fait. Donc mystère. Donc apparemment je suis équipé d'une épée de bois de tout début. Je crois savoir que j'ai tout intérêt à bien explorer. Ah, combat. Ah, je me bats contre des gouttes d'eau. Alors, ok, gestion basique de bataille. Je sais plus du tout. Ah oui, il faut enchaîner les persos. Tac, 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 ok. Il faut avoir des points d'action pour pouvoir patater un max d'ennemis. Attends. Ah oui, c'est dans l'ordre de qui joue, fait quoi? Quoi? Oui, attaque physique. D'accord, c'est par rapport à la manette. Oh. On va avoir les expressions baba, enfin cucu la praline classique japonaise. Ça là-dessus, on va pas y échapper. Ah oui, apparemment l'épée fait très mal. Non? Alors elle, normalement, elle soigne. Ce jeu est une énigme pour moi.
ben, on va faire le plein de japoniserie, je vous le dis, moi. Bonjour Twinsen, j'espère que tu vas bien. Je suis sur l'énigmatique Neptunia Hyper Dimension, qui est censé être un jeu qui retrace l'histoire des jeux vidéo. J'ose pas dire que je suis atterré, c'est pas le bon terme. Je suis fortement intrigué, on va dire, mais on peut pas s'empêcher de passer par les côtés cucu la praline, comme je disais tout à l'heure, du Japon. Bon. Ah, j'ai gagné des choses. Ouais, t'aimes pas ce genre de jeu? Bah écoute, moi je découvre. D'accord, édition de disque. Faut dire que c'est complexe, hein, c'est toute une mécanique de jeu. Il faut assimiler, et il te le donne par petits bouts, tout le tutoriel, tout le manuel. Mais bon, ça... Oula. Ça traînait dans ma collection de jeux depuis un petit bout de temps. Je l'avais essayé jusqu'au niveau 3 il y a quelques années. Voilà, c'est le bestiola. Je sais pas si je présente bien. Et pour moi, ce jeu est une énigme. Ah, si on regarde l'arrière, bon... Enfin non, vous y verrez pas grand-chose, mais bon... En gros, je vous ai fait le résumé avec l'histoire des consoles de jeux vidéo. Ah, merci pour les publicités de jeux, Twinsen. Ah, je regarderai à la pause déjeuner tout à l'heure. Alors, idéalement, je diffuse jusqu'à 13h ce matin, mais je suis quelque peu barbouillé. Il se trouve que j'ai l'impression d'avoir un sinus qui est pris en inflammation depuis ma nuit de sommeil. Donc si je me sens vraiment pas frais, pas bien, je rendrai l'antenne plus tôt. Mais bon, je vous tiens au courant. Là ça va encore, mais je me sens un peu groggy. Oh là, j'arrive même pas à diriger la nana. Je fais face au coffre et je me barre sur le côté accidentellement. Parce que je dérape avec la manette. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une nouvelle arme? Voilà. D'accord. Il y a tout un schmilblick à gérer. Ah, il y a un boss à un moment à vaincre. Alors du coup, moi je retourne dans mes options de personnage puisque je peux potentiellement gérer du... Ah non, ça c'est la carte. Ah, c'est l'action là en fait. Oh là là. Si je fais ça, je vais dans le menu de la demoiselle. Ouah! On peut programmer, d'accord, les combinaisons de patatage, apparemment. Ah, c'est toute une science. Oh oh. Ouais, c'est mon petit habillage, mon cher Twinsen. Bah encore, si tu veux tout voir... D'ailleurs, je pense que je vais te faire la transition de scène quand il y aura un boss, parce que c'est des moments un peu chiants, gnangnang.
Bah d'ailleurs, je devrais avoir un boss là, non? Vu la grande salle. J'ai bossé hier 2-3 heures sur mon nouvel habillage. Bah ça, c'est un peu mon thème à moi, si tu veux. C'est-à-dire que... Attention, je suis pas assez près de la caméra. En même temps, je peux pas trop m'avancer. C'est un peu mon thème à moi, tu vois, le côté moderne. On avait déjà parlé, chiffres digitaux. Bon, c'est un peu ma signature. Je veux pas non plus surcharger l'écran et je veux que ça reste... Que je sais pas comment dire. C'est de la tronche, mais je veux pas charger la mule, quoi. En plus, j'ai peur, tu sais, de bousculer mon ordi au niveau des ressources qui crash, donc... Alors, pardon, je vais boire un coup, parce que je meurs de soif. Alors, si les textes sont en anglais, je rappelle que les voix sont japonaises. J'ai mon éclairage qui me tue là dans la tronche. Oh là 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 là. J'ai déjà envie de le changer de place. A tendance à me donner mal au crâne. Voilà, là c'est mieux pour moi. Oui, je peux me barrer en cas de catastrophe, ok. Bonjour cousin, j'espère que tu vas bien, mon cher Romanus Caiutus. Alors, voilà, tu une scène, je vais rapidement te montrer. Oui, le traducteur de jeu dort encore, oui. J'ai fait un deuxième plan lorsqu'il y a du 16/9. Vraiment en large, large, large. Bon, là, ça me tronque l'écran, donc c'est pas l'idéal. J'arrive plus à lire les instructions, mais c'est pour te montrer en gros un peu le boulot que j'ai fait hier soir. Pardon. C'est vraiment les japoniseries classiques. Fin de combo, si je fais ça, j'ai un enchaînement de fou, non? C'est bizarre. C'est très fragmenté en fait dans l'action. Je crois reconnaître d'ailleurs les bestioles de Space Invaders. Je suis même par me demander si dès le début on peut pas avoir un simple rectangle qui serait la raquette de Pong. Puisqu'on est censé retracer l'histoire du jeu vidéo. Hein. Je le rappelle encore et encore. Et encore, je vous ai passé l'interminable introduction où il y a 1 heure, je plaisante pas, il y a 1 heure de dialogue. En plus, vous avez le droit à une scène de charme coquine là. Bon, bah, côté japonais avec les dessins animés érotiques. Hein. Et oh là 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 là, c'est pas. Ouais, il y a un peu de ça, une scène avec sa grosse seringue. Ouais, on se demande où on est, ouais. Alors, je suis nullissime, comme vous pouvez le voir. Je sais pas quelle est la combinaison gagnante de combat. Sachant que c'est les premiers duels, j'espère que mes combats vont pas durer 3 heures. C'est bizarre. Voilà, bon, ok, j'ai gagné le combat.
Oula! Ah, le coup des gélules, des flacons là. Bizarre. Ah, attends, je sais plus. J'étais où? Faut que j'aille où? Non, faut que j'aille en haut, moi. Faut que j'aille par là-bas. Enfin, je crois. Allons, bon, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y en a un qui a une couleur particulière, j'ai l'impression. Ah, casser la garde. Ok. Casser la garde d'un ennemi. Oula. J'ai même pas compris qu'il y a été la touche pour passer le... La... Enfin bref. Là, je crois savoir que je fais des enchaînements un peu plus rapides. C'est pas comme si j'étais en train de m'exciter sur les touches de la manette. Alors, pour ce qui est des instructions de casser la défense de l'ennemi, je le confesse honteusement, j'ai rien compris. Mais j'ai l'impression de m'en sortir plutôt bien avec ma frénésie là de touches. Il y a bien un intérêt effectivement d'enchaîner comme un fou furieux les touches. Parce qu'elles ne reprennent pas leur place, elles font pas du coup par coup comme tout à l'heure. Bon là c'est autour de l'ennemi. Ah, j'ai cassé la garde, voilà. Bon, bah voilà. Un joyeux drill en moins. Mais apparemment, je peux... Non, j'étais en train de me demander si je pouvais pas faire des variantes sur la gâchette. Parce que le voir en cercle, je me dis, tiens, il y a peut-être des choses à faire. Oula. D'accord, l'attaque de feu. Oh là 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 là, oui, il y a déjà des combinaisons avec les gâchettes. Neutre, ouais, air, feu, terre, etc. Les quatre éléments, bref. Oh là 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 là. Ah! Pourquoi il y a une barrière? Non, c'est pas pour ça? J'essaie de comprendre. Non. Si j'appuie pas sur les bonnes touches, ça va pas le faire. Ça, c'est d'accord la carte, on va y arriver. La touche là, c'est quoi le rond? Non, ça fait rien.
Ah, je peux incarner l'autre demoiselle, c'est ça? Ah, la... Rien ne se passe. Oui, tu m'étonnes. D'accord, je peux changer de perso dans le dans l'exploration. Donc, il y a un truc que j'ai oublié de faire. Ça doit être un interrupteur, un truc cucu la praline. Qui fait que je peux pas passer à la suite. Ou alors j'ai pas encore le niveau qui me permet de. Oula, le. L'axe de rotation de la caméra qui est hyper long. Attends, j'ai loupé un truc dans la grande salle? Ça que je comprends pas. C'est pas un truc dans l'inventaire quand même. Attends, liste des objets. Comment ça, eject button? Ah oui, c'est pour oui, pour se barrer d'une bataille, ouais. C'est quoi le X bracelet? Alors pardon si je gamberge bien dans le jeu là, parce que donc j'essaye de comprendre. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, usage rate. Ouais, bah je vais mettre un tiers. Bonjour Cyberjojo, j'espère que tu vas bien. Je suis complètement largué ce matin dans ce jeu qui s'appelle Neptunia Hyper Dimension, qui est censé retracer l'histoire des consoles de jeux vidéo. Donc là, elles sont personnifiées en jolies demoiselles, façon animé japonais, façon manga. Mais je te cache pas que je suis complètement largué. Eh bien. Bon, je vais avancer parce que là, je suis en train de gamberger dans le niveau, ça sert à rien. C'est pas un bouton qui est caché dans le truc. Eh non, c'est. C'est relativement cucul la praline, le coffre là, je l'ai ouvert. Oh là là. Alors, c'est moi qui sais pas lire ma carte? Non, ça c'est les coffres ouverts. Apparemment, il y a un truc au milieu de l'intersection. Oui, la croix directionnelle dans ses cheveux. Bah, il a sa petite réputation, le jeu là. Mais d'ailleurs, il a eu des suites. Hein. Mais je suis complètement interrogatif là. Je vous prie de bien vouloir excuser mon niveau exécrable de jeu, mais c'est tout l'intérêt de la découverte. Je peux pas me barrer du tuto, non? J'ai pas fini. Oh là là! On voit le coffre là-bas au loin, mais j'ai déjà manipulé. Alors pourquoi je fais face à une grille? Quand je l'ai fait la première fois, j'étais trop loin et je touchais pas. Oh là 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 là, comment tourner bêtement en rond? Ah, je pensais que je faisais face à la grille, mais j'étais trop éloigné. Non, voilà, c'est la fin du tuto, c'est la dernière salle. Il y a un boss, non? Ça y est. L'appel de monstre. Allez, Zo, c'est quoi ce... Ouh là là, le bouton L2.
Ah, la cloche de d'accord d'appel des monstres. Ok. Histoire d'entretenir le rythme. Alors je vais être vilain, moi je vais déjà fouiller des coffres avant d'appeler le boss final. Parce que pour peu que j'ai du matos qui me permette de le patater mieux, évidemment, on va pas fermer les yeux là-dessus. D'accord, j'obtiens un peu de boisson. Ah, j'avais cru voir un truc à l'angle, mais non. C'était mon imagination. Alors je vais dans le cercle. Et comment je fais appel de la cloche? Je vais trouver. Non, c'est pas ça. Ouah, c'est une catastrophe. D'accord que la dite cloche, oui, non, c'est un accessoire la cloche, c'est pas une arme. Non. Je crois qu'il y a qu'aujourd'hui, hein, je le crains que je vais vous faire le jeu là parce que je suis complètement largué. Encore, j'y jouerai de manière dynamique et éclairée. Ça passerait, mais c'est pas du tout le cas là. Ou alors, faut que je fasse comme tout à l'heure, que je change de perso. Et c'est cette demoiselle qui est capable de. C'est quoi ce machin? On dirait un Bernard l'ermite à l'épée, là, ou je sais pas quoi. Ouh là là. Oh là là. Oh, ah la baffe. Ah mais c'est un arachnide en fait. Enfin. Ça y ressemble. Oula. Vous allez voir que je vais mourir comme un caca dans le tuto tellement que je suis mauvais. Ok. Faut que j'essaye de trouver les techniques qui font le plus de dégâts. Oula, elle fait quoi elle? Elle recherche en vie, je crois. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. D'avoir brisé la garde de l'ennemi. Comment ça transforme? Bonjour Zex de Citron, bienvenue. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors dans le pur état d'esprit japonais. Je sais plus ce que je vois. Je monte en gamme, en puissance, ça me rassure quelque part. C'est une transformation à la Sailor Moon, là, qu'elle nous fait. C'est mignon, hein, mais c'est particulier. Mais j'en suis un peu comme la dame en bas, là, dans l'animation, j'en tombe à la renverse.
J'ai pas le souvenir de la transformation, donc est-ce que je suis parvenu à débloquer un truc que j'avais pas fait la première fois que j'avais joué, peut-être. Ah, elle a une voix beaucoup plus mature. En fait, elle est devenue adulte. C'est très très bizarre. Bah, comment démarre le week-end? Comment te dire? J'avais dans ma pile de jeux le jeu Neptunia et Hyperdimension qui traînait depuis un bon bout de temps, que j'avais vu, qui m'intriguait. Je savais qu'il avait sa réputation. Donc c'est censé, je le rappelle, être l'histoire des consoles de jeux vidéo, mais personnifié en belle nana, la façon manga. Bon, je me lance de là-dedans, sachant qu'il y a longtemps j'ai fait une petite partie pour voir ce qu'il en était, mais soit j'ai pas accroché, soit j'avais pas le temps de jouer. Et voilà quoi, donc je découvre ça avec vous, très intrigué. Oui, il a sa réputation le jeu là, parce qu'il y a eu des suites, figure-toi, c'est une saga, un peu comme un Final Fantasy, il y a eu d'autres numéros. Ça, c'est le tout premier que je sache auquel je joue. Bon, s'il y a un fan club, je présume qu'il est du côté du Japon. Hein. C'est bon. Voilà, c'est un genre. Sinon, en dehors de ça, je suis quelque peu barbouillé. Je pense que j'ai un début de sinusite et j'ai un mal de crâne. Donc, je démarre ce matin avec de l'aspirine vitaminée, histoire de réussir à me détendre en votre compagnie sur le direct. Voilà, voilà. Ça, alors, ça, vous voyez... C'est des phases de bavardage et c'est interminable. Oui, 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 de la flotte, j'ai, merci, mon cher Zex de Citron. Oh, les dialogues. Je joue les passes parce que bon. Déjà que l'action est j'ai envie de dire pas molle, mais voilà. C'est une honte, je sais. En plus, vu mon état, j'ai vraiment pas le courage de traduire. Non mais c'est un roman. Alors c'est bien hein, qu'il y ait un scénario, je vais pas m'en plaindre, mais là. Ah, ça, je me souviens de cette carte, qui est belle en plus. Alors, c'est là où la phase stratégie s'amorce, c'est-à-dire que j'ai accès au magasin et je vais pouvoir acheter du matos. Voilà, la carte qui me permet d'explorer les endroits, les quêtes, les événements. Ouh là là. Quête de donjon, récompense. Dépend que le temps que tu mets à faire le ménage. Oh là 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 là. Oui, je suis connecté à Internet, en filaire en plus et en fibre. Avec ma PS3, donc elle devrait avoir le débit maximal. Je devrais pouvoir rapatrier les scores. Vous allez voir que je suis lamentable. Je ne serais pas surpris de me voir en bas de tableau à l'international. Alors, magasin. Bah, le problème de la journée, c'est que je pense vous accompagner jusqu'à midi 13h avec ce jeu énigmatique. Voilà comment je le qualifie. Si c'est jeux après, j'improviserai autre chose dans la matinée. Si moi je me sens pas bien au niveau santé là, parce que je suis vraiment groggy, je suis dans les vapes, je rendrai l'antenne, hein, je ferai un relais de chaîne plus tôt et je me reposerai. Et puis voilà, moi pour ma part, l'après-midi, il y a une libre antenne avec mon ami FunFan en début d'après-midi sur sa chaîne. Et théoriquement, en fin de journée, il y aura Bambastos
qui va faire la suite du jeu d'horreur Visage. Et ça, c'est excellent. D'ailleurs, permettez-moi de refaire la pub de mon ami Bambastos. Que vous puissiez en prendre note, en fait. Si ça vous intéresse, bien évidemment. Voilà. Alors il y a des mélanges de potions à faire. Oh là 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 là. Ouais bah je vais prendre de la santé moi. Ah je peux en acheter pas mal hein. J'ai des petites pépettes. Bon on va voir avec ça si je vais loin ou pas. Alors la galerie c'est quoi? C'est les photos de la... Ah c'est d'accord. C'est les belles illustrations de l'œuvre en fait. D'accord. Bon, on voit qu'il y a une partie charme quand même. Elles ont de généreux attributs, comme on dit. Alors, j'ai les infos sur la zone. D'accord, oui, c'est sablonneux, ok. C'est vraiment particulier comme genre de jeu. Ça papote, ça papote, ça papote. Ah, j'ai merdé la commande de pub. En plus, je viens de le voir. Je lui dis, tiens, il n'y a pas le pavé. Heureux, Olive. Voilà, j'arrive à avoir la publicité pour l'ami Bambastos. Et donc je le rappelle, vers entre 17h et 20h normalement il est censé faire la suite de Visage. Et ça je vous cache pas que je vais apprécier. Voilà en gros le programme de la journée. Alors je fais comment pour aller d'une île à une autre là? Je fais search. Ah ouais. Eh bah allons-y, soyons fous. Ah ouais, t'avais le son qui déconnait, t'as dû redémarrer ton ordi Olive. Oh. Ah, c'est beau les cristaux. Ah. Combat, c'est ça que ça veut dire? Ah non, papotage. Aïe aïe aïe. Oui, pour avoir les meilleurs morceaux, tu une scène, oui. La suite de Visage, ses jambes. Oui, il y a le côté coquin, on voit les postures. Hein. Oserais-je dire dans la pure tradition japonaise? D'accord, la demoiselle qui se prénomme If nous a rejoint dans la bataille, ce qui est pas une mauvaise chose. Alors, combo, switch, machin, oh là là, c'est toute une science en fait. Hein, du coup. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 recherche de trésors, allez. Ah, il peut y avoir des trésors cachés dans les donjons. Il faut ouvrir l'œil. Bon là, on voit clairement qu'il y a un coffre.
Alors, qu'est-ce que j'y gagne? Pochette surprise, allez! D'accord, j'ai gagné de la boisson. Normalement, c'est de la santé. Alors, la carte, elle dit quoi ici? Oula! Oh! Oui, ça fait très arène de combat là. Ok. Ah oui, j'ai invoqué un monstre. Enfin, des monstres. Oui, la relation entre les Japonais et les rôtis t'a toujours intrigué. Oui, je te confirme, y a de quoi. Mais tu dis que tu peux pas comprendre. Ah, c'est particulier. Et au-delà de l'érotisme, d'ailleurs, il y a des choses crues. Hein, y a dans la culture japonaise, ils sont crus. On ne peut pas le nier. Bref, je vais pas rentrer dans le sujet, dans le débat. Bonjour Kylian, j'espère que tu vas bien. Faut peut-être que je me concentre un peu sur le combat, histoire que je fasse pas trop n'importe quoi et du mauvais combat. Oui, alors j'espère que tu vas bien Kylian. Moi pour ma part je suis quelque peu barbouillé. Sachant que j'ai dans l'idéal de diffuser jusqu'à midi 13h, si je me sens vraiment pas bien et que mon état décline, là j'ai mal au sinus et puis j'ai un mal de crâne, je pourrais rendre l'antenne plus tôt, hein, je vais pas me mettre dans le mal. Oula. C'est bien que ça aille bien, Kylian, c'est cool. Ça fait plaisir à lire. Attends, le temps que les ennemis me patatent, je vais essayer de me servir à boire. C'est tellement nunuche que je peux tenir mon gobelet d'une main et me battre de l'autre main juste à la manette, ça suffit. J'ai pas besoin de deux mains. J'essaye d'alternativement d'appuyer différentes touches pour optimiser, on va dire, mon combat. Oui, il faut faire attention avec des prises, ouais, au niveau des portables ou même certains téléphones. C'est l'inconvénient de la miniaturisation. T'as pas le droit d'avoir des grosses paluches. Et ça peut vite casser, ouais. Faut vraiment être précautionneux. Oui, j'aime bien ton erreur de saisie, là. T'as carrément, de manière aléatoire, t'as généré un nom propre, là. L'anirmac, pour dire à la normale. C'est très original. On dirait des monstres de Dragon Quest. Alors, c'en est possiblement inspiré. Hein. Alors là, c'est une espèce de goutte. Tout à l'heure, on reconnaissait clairement quand même les monstres en 3D de Space Invaders, qui est un des tout premiers jeux vidéo des plus célèbres dans l'histoire du jeu vidéo. Alors, je n'ai hélas pas ces compétences-là, mais je sais que c'est effectivement fragile, faut faire gaffe, quoi. Oui, bah oui, ouais. Comme tu le dis au livre. Ah là! On reconnaît un Space Invaders, celui qui a les antennes jaunes, au fond. Oula!
Ça m'amuse quand elle met la gifle. Je ne saurais me justifier, mais c'est peut-être le bruit même qui lui est associé à ce geste. Mais le coup de la gifle à l'ennemi, ça me fait marrer. J'allais dire, j'arrive pas à lui casser la garde, mais finalement, je l'ai anéanti. Oula, je suis... Faut que je reste centré par rapport à la caméra. Bon, j'espère que je vais vite passer à autre chose que l'épée de bois, parce que... On voit que c'est le tout début de l'histoire. Oh, cette gifle. Oula! Il y en a du monde. Eh bien... Oui, le petit camouflet. Ça doit s'entendre hein, que j'ai la voix rauque. J'ai pas la voix normale. Bon, je reconnais qu'il y a des scènes d'action plus haletantes. Ok, elle a tiré au flingue. Je sais pas d'où ça sortait, mais c'est pas grave. J'ai pas souvenir qu'elle ait un flingue dans son inventaire. C'était peut-être de la magie. Ça y est, j'ai fait le ménage. Ah oui, je suis en joie comme elle. On passe à la suite. Alors, bon, je vais me motiver à entrer un peu de bois de chauffage pour être tranquille demain matin. Oui, t'as bien raison, Olive. Tu rentres très tard ce soir. Oh là 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 là, tu vas mettre des graines de pièces dehors, sinon t'as encore un scandale chez les charbonnières, ouais. Ouais, bah bon courage pour tes manœuvres, Olive, surtout qu'après que tu prends le boulot. Donc bonne continuation à toi, bonne journée. En plus, je sais pas si dans ton secteur tu vas gratter ou pas au niveau neige, verglas. Mais de tout cœur avec toi, Olive, hein, bon courage pour ta journée. Alors, comment on fait l'histoire du coffre caché, là? C'est peut-être elle qui a le super pouvoir, non? Ah oui, je vais peut-être demander à l'incarner. Voilà, recherche de trésor, c'est elle. Ah! Ah bah j'ai bien fait. Et je fais comment, là? Faut que j'attende qu'elle recharge le truc. Voilà. Ok. Il y a vraiment une logique. Elles ont chacun leur aptitude. Le coffre est bon en tout cas. Ouais, ok, il y a du givre, mais il fait beau, ça va dégeler. Ouais. Ouais. Ah, j'ai envie de dire, j'ai tout intérêt à incarner la demoiselle là, parce que si elle détecte les coffres... J'aime bien les niveaux avec les cristaux. Tout ce qui est cristaux comme ça. Aussi, pour ceux qui connaissent le premier opus de Sonic, le hérisson bleu, The Hedgehog, il y
y a les Bazex de Citron, on en parlait entre nous hier, par rapport à une poursuite entre héros et antagonistes. Il y a les grottes englouties avec les beaux cristaux, là, j'aime bien. Ah! Il y a du matos! Oui, on en reparle, Zex. Mais je suis sous le charme des cristaux. Alors attends, faut peut-être que je lise la carte quand même, parce que c'est pas tout de naviguer à vue, comme on dit. Mais il faut peut-être que je fasse quelque chose de sensé dans ma... Et je vous rappelle que dans le descriptif, la tuto, il disait, vous avez des bonus en fonction de la rapidité avec laquelle vous faites le ménage dans les zones. Comme vous voyez ma lenteur et le fait que je ne cesse d'être en mode contemplatif, je ne suis pas prêt d'avoir des bonus. Attendez, il y a une salle. Par contre, j'explore bien, hein. Je prends le temps de bien tout explorer. Oh, il y a bien un coffre qui est planqué là-dedans, non? Non, sérieux, il n'y a que Puik? Apparemment, il n'y a que Puik, j'ai rien vu. Non, j'ai pas regardé les récompenses des jeux vidéo Game Awards. N'hésitez pas à en parler dans le chat, parce que du coup, vous allez m'apprendre des trucs. Oh! Quelle est cette chose? On dirait presque une fleur. Vous êtes une flyer. Comment je vois le niveau de vie? Ah, c'est là. Oula, elles sont en mauvaise santé, les demoiselles. Comment je fais pour les soigner, moi? Je sais plus, elle soigne peut-être, elle. Ah, maintenant, elle fait le ding 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 de la cloche. Elle provoque les monstres en fait. On est d'accord, c'est les. Ah! Oh, quel idiot! J'avais pas sélectionné le truc en fait. Non! Bah, j'ai pas les stats en rouge donc j'ai pris le meilleur truc. Attends, j'ai du mal à comprendre l'interface. C'est fastidieux. Ah, taux d'usage de la santé. Bah, tout. Une fois sur 10, peut-être, non? Non, allez, une fois sur 5. Ah oui, qu'elle nous soigne, la miss. Encore que je réfléchis. C'était un taux un peu trop élevé. Un coup sur 10, c'est peut-être bien de faire la recharge de vie. Mais là, hors combat, elle peut pas soigner les copains, les copines? Ah, je vais peut-être sauvegarder aussi. Je voudrais pas me recoltiner tout ce que j'ai fait jusqu'alors. Ah oui, ah oui. Alors, j'ai pas regardé les annonces que je vous lise un peu. Non, j'ai regard... Alors, j'ai pas regardé, mais j'ai vu les annonces. Ok, nous dit CyberJojo. Oui, voilà, c'est surtout pour les annonces. Ah. Alors, est-ce qu'il y a du lourd? C'est ça la question. Il y a la suite du film Sonic qui se prépare. Et un nouveau jeu Sonic en monde ouvert, mais annoncé en vidéo sans gameplay. Ah oui, dans la démonstration. Ouais, ça sent pas forcément bon quand c'est comme ça. Ou alors ils sont vraiment aux prémices de l'œuvre. D'ailleurs, beaucoup de jeux présentés sans gameplay. Des exclus PS5 et Xbox X, ouais, d'accord. Ah là 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 là. Oh. Et j'ai refait mon câblage moi hier et j'arrive encore à avoir de la pression dans les câbles. Oh, un nouveau jeu de Matrix. Alan Wake 2, donc la suite d'Alan Wake. Un jeu Star Wars, donc Guerre des Étoiles, développé par Quantic Dream. Alors Fun Fan, on avait parlé sur son antenne hier soir. Oh, un nouveau jeu de stratégie Dune, par contre, ça me plairait. J'aime bien la licence Dune et l'épice, des Harkonnen contre les Atreides, Arrakis, enfin bref, pour ceux qui connaissent l'œuvre.
Il y a de belles images, faut aller voir notamment la démo technique d'Unreal 5, oui, donc le dernier moteur de jeu qui fait la promo du prochain The Matrix du même coup. Oh, ok. Tiens, j'allais dire, avec un jeu tellement gnangnan, je devrais vous récompenser pour votre abnégation. Et... attendez, je sais même plus c'est quoi les touches. Non, c'est pas ça. C'est moi qui joue à la pêche, n'importe quoi. Voilà. Je vous dois au moins ça. Merci pour votre présence. Parce que le jeu est pas hyper captivant, on va dire. Oh, on glisse tout doucement vers les 10h du mat quand même. Je me lasse pas du coup de la baffe. Ah, j'ai brisé la garde du salopio. Pardon, ça parle mal. Ah si, j'ai un truc de jauge où je peux... Ah, les gâchettes, c'est pour changer d'arme en main. Je peux faire une attaque spéciale en fait. D'accord. Ah, c'est... je viens de comprendre. C'est loin d'être idiot. Ce qui fait que je préviens de faire usage des armes spéciales quand la garde de l'ennemi est... n'est plus en fait. Ah, le coucou. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle redonne de la santé, je crois. Oui, c'est ça. Ah, c'est bien, c'est intelligent. Elle le fait dès qu'elle voit que quelqu'un est dans le rouge, dans le mal. Oh, bel enchaînement. Woodudu. Ah, je peux... ah, l'attaque feu. La bestiole n'aime pas du tout l'attaque feu. Autant le saucer. Bon, j'ai presque envie de dire, j'ai hâte que l'ennemi m'attaque, dans le sens où ça me fait une pause et je peux boire un coup, parce que là j'ai encore soif. C'est peut-être parce que je suis déshydraté, c'est peut-être pour ça que j'ai soif. Alors, le seul jeu où je peux combattre et vous lire en même temps, tellement que c'est spécial, on va dire. Hein. Après, nous disait The Citron, j'imagine que si la démo technique fait beaucoup de bruit, certains éditeurs vont se laisser tenter. Ah, j'ai cassé la garde de l'ennemi une nouvelle fois. Allez, Zou, il aime pas le feu, allumons-le. Oh! J'ai eu le droit à une animation spéciale tellement je fais mal. Oula! Le bestiau est en train de dépérir. Ah bah voilà, j'ai gagné. Oui, donc, nous disait Zach The Citron. Après, j'imagine que si la démo technique fait beaucoup de bruit, certains éditeurs vont se laisser tenter. D'autant que c'est la Warner qui en détient les droits. J'ai gagné un truc fantasy, j'ai pas compris là, un truc de rêve. Bref, il pourrait faire un jeu honnête. Je dis ça en prenant exemple sur les Arkham. Ah oui, avec Batman, oui, c'est beau. Je l'ai vu, celui-là, il est très beau. Allez, dialogue, dialogue. Par contre, le décor de fou, je l'aime bien là, l'espèce d'étang là, rocheux, il est beau. Alors, Cyber Jojo, il répond à cela, surtout avec la sortie du film prochainement. Ils vont sûrement essayer de capitaliser dessus. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ah. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, j'ai le droit d'accéder au menu. Ouf. Après, je vais peut-être prendre un ou deux trucs, on sait jamais.
Histoire de manquer de rien, comme on dit. Voilà, comme ça j'ai un de chaque, c'est bien. Ah, c'est quoi ça? Ah oui, c'est pour se barrer d'un donjon. Ouais, oh. Là, j'ai envie de dire, je risque pas grand-chose. Oui. Ah, oh. Et je fais comment pour y aller? Chercher, c'est ça? Oh là là. Bon, bah allons-y, faisons ce truc cucu la praline. Ah, heureux, Olive. Alors, c'est le genre de la Warner, nous disait Zex de Citron. Il développe un jeu, Wonder Woman, justement, il faisait partie des annonces. Ah ouais, tiens, original Wonder Woman. Je me souviens même plus de la série, à part évidemment le la célèbre rotation quand elle se change. Oh, vous imaginez le rêve, le rêve que nous vend la Warner. Le fait de devoir se fringuer, il suffit de tournoyer sur soi en tournicotis, tournicoton trois fois et pouf, vous êtes fringué pour votre journée. On gagnerait un temps fou. Aïe aïe aïe. Mais c'est quoi ce décor de fou? C'est beau, hein, mais je suis troublé. D'ailleurs, la disposition est telle que ça peut planquer des choses. J'ai bien fait de revenir sur mes pas. Je sais même pas ce que je ramasse, enfin bon, bref. Je suis pas à ça près. Oh! Space Invaders. Ah, ils ont l'avantage de l'attaque. Mince. C'est une attaque surprise, c'est une embuscade. Eh bien. Et si je change. Ah bah non, je peux plus. Je change de perso là. Alors, eux, le feu, ça leur fait quoi? Ah, ils aiment pas le feu non plus. Ah, son aptitude à tout cramer, c'est un gros bonus en fait. Ah oui! Oh là 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 là! C'est bien, elle fait le ménage, mademoiselle Seringue de Feu. Alors. Oui, j'ai bien attaqué sur Zex de Citron. Je présume qu'il y aurait des ennemis à un moment qui feront plus de 30 cm et qui s'imposeront. On est au début, voilà, bon. Oh, oh non. Excusez-moi, je me réveille là pour le coup. Ah, oh, je pense qu'il doit y avoir des boss, des machins bien. Bien gros, quoi. Bah, sur la toute fin, il y a sûrement des boss qui dépassent l'écran, histoire d'en mettre plein la vue. Allez, feu la volonté, ma grande, vas-y. C'est ton meilleur tir, allez, vas-y. Alors, c'est marrant, cette demoiselle avec ses armes en main. Je sais pas si c'est votre cas, mais elle me fait penser à Voldo dans Soul Calibur. L'espèce de fourchette trident, là. D'ailleurs, ça doit avoir un nom spécifique que je ne connais pas. Je vais pas parier sur la présence des ennemis tentaculaires, j'ai gagné d'avance. Oui, bah oui, Japon. Tiens, j'ai envie de dire, oui, c'est ça. Oui, les armes de Voldo, bah oui. Oui, ça t'étonnerait pas non plus. Oui, une fourchette, une scène, ouais, une fourchette bizarre. Tiens, d'ailleurs, j'ai envie de dire, vous l'avez gagné. C'est le dit poulpe. Ah, ça fait bien en rendu, en gros plan. Ah. Oh, j'ai gagné des boissons. D'ailleurs...
Attends, qu'est-ce qu'elle me raconte, elle? Elle fait un truc tellement lumineux que... Ah, il y aura un coffre caché, je sais pas où. Vers là-bas, apparemment, non? Oh là. Bah, je trouve que la caméra est un peu mollassonne quand je fais une rotation gauche-droite. Mais c'est peut-être dû à une puissance à la puissance de calcul de la PS3. Faut peut-être pas trop la bousculer. Oh là, oh là, c'est quoi cet angle de caméra? C'est une jolie demoiselle, j'en doute pas, mais j'aimerais voir le décor de fond. Ah, le lustre est pas mal. Oh! Ah, les cathares, d'accord. Merci, Zex. Ouais, mais ouais, fourchette, c'est plus... C'est plus intuitif. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Une attaque à distance. Ah, mais c'est des nouveaux bestiaux, je les connais pas, ceux-là. Ouh là là. Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pardon, en fait j'ai un peu de fatigue, je sens que mon corps, surtout au niveau des tibias, j'ai un peu froid. Je suis peut-être un peu grippé, faut que je fasse attention. J'ai bien dormi cette nuit, hein, mais... Ah, c'est la fatigue normale de la semaine, on va dire. Oh là là. Oh, c'est marrant, j'ai l'impression qu'elle a fait une révérence, la demoiselle. C'était stylé. Eh ben. Voilà, je me fais attaquer à distance. Ouais, le corps étrangement, oui, oh, tu sais, c'est des animations. Alors, surtout dans ce jeu, il y en a une qui se bat avec une seringue géante. Ouais, l'infirmière de service. Aïe, aïe, aïe. Alors, de mon point de vue, nous dit Zex de Citron, c'est le jeu qui te fait cet effet. Je me suis déjà endormi en jouant à ce type de jeu, ça manque de dynamisme. Oui, je te crois. Ouais, ouais. Bah, si je peux vous offrir un réveil en douceur en ce samedi matin, que vous êtes devant votre écran à savourer votre petit déjeuner et que ça vous change les idées, j'ai envie de vous répondre, pour moi, c'est mission accomplie. Voilà, dans le plaisir de partager un bon moment. Mais, je serais pas pressé de faire la suite de Neptunia. Il est même d'ailleurs, vu la belle pile que j'ai de jeu, la chance que j'ai d'avoir quand même une ludothèque bien fournie, il est même probable que ce soit le seul épisode que je fasse, au moins on aura essayé, mais... Dans la même logique, dans la même mécanique, j'accroche beaucoup plus le Final Fantasy que je vous ferai, qui est le 13, dont j'ai les trois épisodes là, de l'arc complet. Oui, tu me dis de rien changer. Alors, tu une scène, ouais, mais ce serait plutôt une berceuse pour se rendormir. Oui, bah je peux comprendre l'effet mollasson. Ouais, bon. Il faut de tout pour faire un monde. Mais ça a son public, ça a son fan club, j'ai envie de dire, ce jeu. Qui a eu des suites, mais je pense que le fan club est essentiellement japonais. Je me suis pas amusé à amener l'enquête, hein, c'est sans intérêt particulier, mais bon. C'est une japoniserie, voilà, comme j'aime l'appeler. Ah non, c'est pas... Attends, je sais plus. Ah, je me suis trompé de... D'accord, j'ai pas armé le feu, en fait, dans mon attaque. Voilà, faut pas que je me plante dans la combinaison. Ah, il y a beaucoup d'ennemis, le feu, ils aiment pas. Hein. À l'idée de se faire allumer, ils prennent cher. Alors, il y a d'autres monstres? Ah non, c'est fini. Oula.
Oui, il faut que je regarde si je vais dans la bonne direction. Faut que je mate aussi s'il n'y a pas des coffres sur les côtés. Ce serait dommage de perdre du matos. Oula. Oui, je vais peut-être mieux y arriver comme ça, voir s'il y a du matériel ou pas. Alors, pour reparler des Game Awards vite fait, la guerre des étoiles de Quantic Dream est déjà dans la tourmente. Le jeu est prévu en monde ouvert, mais Quantic n'a pas les outils ni les experts pour faire ce genre de jeu. Et il ne trouve pas grand monde pour répondre à l'appel. Faux départ, oulala. Oh, déconne pas, le speedrun d'une scène de ce jeu est à 3h12 minutes et 2 secondes. Merci pour l'info. Eh B. Ah, mais elle aussi, elle fait du feu. C'est des fumeuses, elles ont toutes leurs briquets. Attends, je vais peut-être varier un peu mes attaques là, parce que faire feu, 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 c'est peut-être pas qu'à mon avantage. Oh, cette baffe. Je ne m'en lasserai jamais. Trois heures à cause des dialogues sûrement, ouais. Oui, tu rigoles, mais... Et encore, je pense qu'à l'époque, comme c'est sur PS3, il n'y avait pas la mode des speedruns. Il y a des... Maintenant, certains jeux peuvent être développés... Enfin, développés en pensant à ces compétitions de speedrun. Et quand vous avez fini le jeu une fois, vous avez parfois dans le menu l'option mode speedrunner qui se débloque désormais. Et ça vous fait sauter les scénettes, les dialogues, pour se concentrer purement à l'action et faire donc le score de... J'ai pas fait son attaque spéciale à elle, tiens, faut que j'essaye. Oh, elle a été efficace, la demoiselle. Il y a eu un très bel enchaînement. Ah oui, alors. Vas-y, tire du feu, la miss. Vas-y, fais-lui bobo, allume-le. Évapore la goutte. Ah, shoot combo. Oh, je suis récompensé. Merveilleux. Eh B. Oh là là. S'en passe des choses. J'ai cliqué, je sais pas ce que ça a fait. Oui, évapore la goutte. Parce que j'estime que l'ennemi est une goutte d'eau. Vu la forme. Et comme elle tire du feu, bon bah voilà quoi. La réaction chimique doit se faire. Du moins je l'ose espérer. Ah, est-ce qu'elle détecte un trésor? Oh! Pourquoi elle éclaire par là-bas, la miss? Il y a un truc. C'est Majax. Attends, je comprends pas. Mais c'est loin, loin, loin. Attendez. Ce serait dommage de passer à côté d'un artefact. Attends, je comprends pas. Ce serait ici, c'est ça? Bon, je vais essayer de trouver le coffre dit caché. Pardon, j'ai une démangeaison à l'œil. Oh là, tout va mal ce matin. Ah non, c'est par là-bas que... Ce serait ici. Combat! Ah, soupir! Bon, j'espère qu'il y a du beau matos dans le dit coffre, hein, parce que... Ah non, c'était pas une expression, Zagos Citron. Ah. D'accord, elle s'est redonnée de la santé.
Je suis en train de me poser une question si je me suis pas intoxiqué avec l'eau hier, en fait, peut-être. Ce qui expliquerait pourquoi je suis barbouillé ce matin. En fait, j'ai eu la livraison et la mise en place de mon nouveau lave-linge hier. Et comme vous le savez, il faut faire le raccord en eau pour le lave-linge. Et j'ai occasionné dans ma tuyauterie, en fait, une bulle d'air. Ça a permis de faire une petite purge. Mais j'ai peut-être commis l'ânerie de me resservir une cruche d'eau en oubliant de laisser couler l'eau. Et j'ai peut-être récolté un max d'impuretés dans ma solution. Je me pose la question si j'ai pas fait l'ânerie là. Ça pourrait peut-être s'expliquer pourquoi je me sens barbouillé ce matin. Je me suis peut-être lentement mais sûrement empoisonné. Alors, feu. Ah non, c'est juste qu'elle fait un effet feu avec ses fourchettes. Ah, au moins maintenant j'ai la réponse. Alors, oui, j'aurai l'estomac propre qui sent la lavande. Oui. Bah, envie de dire qu'il y a eu un boss dans le jeu. Pas vraiment. Dans le tuto, là, j'ai eu tout à l'heure l'espèce de verre plante à bouche circulaire là que j'ai pataté joyeusement. On va dire que ça aurait été mon premier mini-boss, mais... Il y avait la Hacknid aussi tout à l'heure qui était imposant, mais bon... J'ai pas eu de grandes difficultés à le vaincre. En même temps, pour éviter une certaine redondance dans le jeu, j'ai mis en facile. J'ai par défaut c'est en normal et j'ai fait exprès de basculer en facile parce que si c'est pour se recoltiner et être éprouvé dans les batailles et recommencer 10 fois le même truc, c'est pas top. Bon, alors ce coffre planqué, il est où? Et j'espère qu'il y a du gros matos dedans. Voodoo. Est-ce qu'il n'est pas par là? Ah non, pardon, c'est par là-bas. Ah, on va y arriver! Mince alors! Ah! J'aurais dû m'en douter avec un si tel espace vierge. On est sur internet, on aime voir les joueurs galérer. Eh B! Allez! Une nouvelle arme, pitié! Faites que les demoiselles progressent. J'ai rien compris à ce que je viens de ramasser. Bon, bref. Donc, moi j'en étais là, en dehors du coffre mystère. Tiens, il n'y en a pas un là de coffre mystère. Non, il n'y a pas de coffre mystère là. Allez, bataille. Alors, le feu. Pas mal. Autour de l'ennemi. Ah oui, faut prodiguer des soins là. Ah bien, j'en ai déjà éliminé un. Eh B. Ouais, c'est pas la forme pour elle. Ah,
Oui, j'espère que je vais pas la perdre parce qu'elle est dans le rouge et dans le mal au niveau de la santé. J'ai pas l'impression que je puisse provoquer manuellement la restauration de santé. Ou c'est pas clair dans l'interface, mais bon. Faudrait que je regarde quand ce sera la demoiselle à la seringue. Oula. Je repasse au vernissage, je reste attentif, mais je serai un peu moins présent sur le chat. Oui, 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 mais tu fais bien, Zex de Citron. Fais donc. Mince, j'ai pas regardé comment je faisais la... le soin. Oui, 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 bon atelier, bon vernissage à toi. Allez, les fourchettes de feu. Ok. Et l'autre malheureuse, je peux pas la soigner. Bah oui, Yves, elle est dans le mal, la pauvre, là. Elle a pas de, de potion. Non, pas vraiment des accessoires. Costume. Non, bah non, c'est le vœu de la première ligne. Ah non, je peux pas délibérément en faire usage. C'est automatique apparemment. Bon, c'est bizarre. Alors attendez, je vais sauvegarder parce que je ne voudrais pas me recoltiner tout ça. Aïe aïe aïe. Oh bah y a pas de trésor là. Non, il n'y a plus rien. Pas de coffre. Oh! Ah bah ça, c'est un boss, ça. Là, le Pokémon. Eh ben... Alors, 120 points de dégâts pour le feu. Oh, il aime pas les attaques physiques. Je vais rester dans le physique avec cet ennemi. Oh, la malheureuse, je vais la perdre et je peux rien y faire là, je comprends pas. Quelle tristesse. Oh, à distance, ça fait pas... Et c'est le corps à corps, l'ennemi, là. Il n'y a que le corps à corps qui fera effet. Oh là là, la malheureuse. Oh, ça y est. Elle est au bout de sa vie. Eh ben... Ah, garde brisée. Voilà une bonne nouvelle. Eh bien. Et j'appuie bêtement d'une main sur les boutons. Ça suffit.
Aïe 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 aïe. La question est sortie de la bataille. Est-ce que je vais avoir la possibilité de ressusciter la morte là? La malheureuse. Bien. Bel enchaînement. Ah, le jeu me le dit, ouais. Enchaînement au niveau des armes. Weapon combo. Oula, c'est quoi cette attaque? Ouh là là, ce crachat de venin. Enfin, c'est plutôt un gaz. Oh. Attends, l'ennemi en est à combien dans sa vie? Ah, chic, elle fait l'aide. Santé. Ah non, l'autre malheureuse, il va falloir que je la ressuscite, là. Ouais. Faut faire autre chose, sortie de la bataille. En même temps, j'ai envie de dire, ce serait trop facile. Oh bien, des enchaînements à 200 points de dégâts. Ah mais elle est douée la demoiselle Violette là. Oh, la fin de la bataille. Comme diraient les Japonais, yata. Ah oui, là elle peut être en joueur. Bon boulot. Ah. Ça va, Rambé. C'est la notation américaine. Le meilleur, c'est A+, mais bon. Pour un début, c'est gentil. Hein. Comment je ressuscite la morte? Pardon. Alors, magasin. Est-ce qu'il y a du nouveau? Oula. Non mais j'ai la collectionnite au niveau des... J'en ai plein là des trucs de santé. Bon, j'achète ça. Hop là. Et B. Ah si, j'ai accès au menu durant la carte. Ah bah elle est revenue à la vie. Ah, c'est sorti du donjon, les compteurs sont réinitialisés. Elles se refont une santé, elles se restaurent. Ok. Je comprends mieux. Alors, explorer, oui. Pardon. C'est quoi ça? Oula, qu'est-ce que j'ai déclenché? Au secours! C'est trop bizarre. Oui, mais d'accord, le donjon là, j'ai déjà fait, je vais pas le refaire. Niveau recommandé 4. Je sais même pas de quel niveau je suis. D'accord. Niveau recommandé 4. Ok. Niveau recommandé 3. Alors. Ah. D'accord. J'ai déclenché des trucs. Bah la belle tour de lumière, je l'ai pas faite, il faut que je la fasse. Bah oui, allons-y. Eh bé. Oui, c'est beau, oui.
Ah mince, quel idiot! J'appuie pas là où il faut. Je croyais que je faisais passer des dialogues, mais non. Aïe aïe aïe. Ah! Nouveau personnage. À la voix, c'est un mec. Ben, je me méfie des persos androgynes. Ah! Révélation. Neptune, un joli nom pour une jolie fille. Oh! Oh, ces dialogues. D'accord. C'était juste une séquence papotage en fait. Bon, on va sauvegarder ça histoire de pas se le recoltiner une autre fois. Et B. Du coup, là-dedans, dans toutes ces stats, je peux pas voir mon niveau actuel. Donc je m'interroge. Un sur 6 mon niveau, c'est ça? Non, sinon, si je lis bien. Bizarre. Ce jeu est une énigme. Ah, oh, je suis obligé de me recoltiner des trucs. Oh. Bon. Parce que j'ai pas assez progressé, apparemment. Ah, il y aurait quelque chose. Oh, bah tout proche en plus. Radio. On attend que la jauge de pouvoir se recharge avant d'accéder aux 10 coffres cachés. Allez, magie du démon, vas-y. Enfin, si t'arrives à ouvrir. Non, il n'y a pas de bug de collision. Ok, cool, génial. Ah, attends voir, c'est vrai qu'il faut que je fasse la cloche et la provoque pour les ennemis. Ça expliquerait pourquoi il m'a peut-être pas validé le donjon. Ah oui, ils viennent pas forcément, il faut les débusquer les salopios. Oh là là, cette mécanique de jeu. Bon, je vous cache pas que je vais écouter le direct parce que je fatigue quand même. Je pense que j'ai besoin de repos. Je vais peut-être tenir jusqu'à 11h max. Parce que j'éprouve le besoin, un, d'aller aux toilettes. Je me demande si je fais pas un peu de température. J'espère que j'ai pas chopé une cochonnerie ou la dite cochonnerie. Vous savez de quoi je parle. Enfin, je pense pas, mais bon. Je mets ça sur le dos de la fatigue. Je sais pas si je vous fais un relais de chaîne vers 11h. J'aurai le plaisir, moi, de vous retrouver de façon dans l'après-midi auprès de FunFan. Il devrait prendre l'antenne vers 14h-15h, je crois. Pour sa vocale ouverte sur Rise of the Triad. Il va faire la démo qui est différente du jeu original qu'il a déjà fait. Et on enchaînera sûrement l'après-midi avec Bambastos sur du... Ouais, il faut se reposer, ouais, ouais. Je vais pas forcer, ça sert à rien. Puis même, je vois que je vous donne une piètre démonstration. Bon, le jeu moyen. Et puis moi, on voit que je suis comme un jouet, donc faut changer les piles. Il y a... Bon. Il faut que je m'accorde un peu de temps.
Mais bref, j'aurai le plaisir d'être en interaction avec vous chez FunFan cet après-midi, voilà pour dire. Bombastos l'après-midi de 17h-20h, théoriquement sur du visage. Et moi, par contre, je rediffuse demain matin sur ma propre antenne, à peu près aux mêmes heures. Hein. Je reprendrai l'antenne entre 9h et 10h. Je referai du rallye. J'aime beaucoup le WRC le dimanche matin. Et là, j'espère que je vous retrouverai en meilleure forme. Voilà, voilà. En tout cas, ouais, merci d'avoir suivi. Oui, je sais même pas si je vais pousser jusqu'à 11h. En plus, je vois le compteur de spectateurs qui est en train de descendre. Je suis navré du maigre spectacle que je vous offre. Ouais, allez, on va arrêter là. De toute façon, moi, c'est bien. Ça m'aura permis de vous montrer l'habillage, de voir ce que ça donne. Je vais peaufiner un peu. Je vais rapidement faire un test de la voix de synthèse pour voir si le volume est correct. Ça me permet de prendre des repères au niveau de l'équilibrage de son lorsque je diffuse. Faut pas oublier que je suis encore dans la sacro-sainte phase bêta. Alors, attendez voir. Voilà, juste un test. Émoticône souriant, le tiret bas sage tiret bas de tiret bas Nancy dit ceci, test. Oui, c'est une découverte, oui, c'était cool, merci. Je suis ravi que tu aies apprécié les Zach de Citron. Voilà, voilà. Mais bon. Non, puis j'ai le ventre qui me gargouille. Il va falloir que je prenne du temps pour moi, que j'aille aux toilettes. Moi, je vous dis, on se retrouve cet après-midi chez l'ami FunFan à partir de 14h. Alors attendez, je vais essayer de faire un plan propre pour le final, normalement. Voilà, vous me voyez en en plein écran. Voilà, merci tout plein. Je sais pas, je vais tenter un raid à l'aveugle parce que j'ai pas les chaînes de mes amis qui sont actifs sous le pif. Donc je sais pas si je vais réussir à faire ça. Oui, ça va niveau volume. Merci pour le retour. Merci, merci, merci. Mais ouais, je commence vraiment à avoir mal au bide. Là, je vais siéger sur le trône dans les minutes qui vont suivre. Je suis pas top top, désolé. J'aurais aimé faire une session plus longue, mais bon, voilà. Ah là 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 là. Voilà, prenez soin de vous. Un bonjour aux anonymes, à ceux qui étaient là. Merci, vous retrouverez en courant de semaine prochaine ce ralenti-là sur ma chaîne YouTube archivée. Mais évidemment, Twitch, je vous propose de le voir immédiatement après coupure du signal dans la quinzaine. Ça reste carrément sur la page Twitch. Si par hasard, vous voulez rezapper, revoir un truc par rapport à cette petite démonstration. Oui, merci pour le repos. Bon week-end à vous. Merci, merci. Non, non, là, je dois le confesser. Je suis pas de bol. Je suis vraiment barbouillé. Alors, je sais pas si le raid va se faire. Je vais peut-être attendre bêtement. Ou si je me rends compte qu'au bout du chronomètre d'une minute, le raid ne se fait pas, je vais couper simplement le signal. J'ai pas de tête, je sais pas qui diffuse. Surtout qu'on est le matin. Il n'y a pas grand monde qui diffuse le matin côté français. Ah là 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 là. Bon, bah merci tout plein, prenez soin de vous. Et bébé, par anticipation, bon app. L'idée de manger n'est pas désagréable aussi, mais bon, c'est pas encore l'heure, faut que j'attende. Eh bien. Bon, apparemment, je pense que... Ah. Eh ben, c'est bien, on coupe. Bye bye. Au revoir tout le monde. C'était cool. Merci d'avoir suivi.